service enfance jeunesse, c'est-à-dire que j'ai la gestion en partie du centre de loisirs, de l'accueil périscolaire et de la d'étape pour l'année 2017-2018. Alors, coordonner, c'est réfléchir à une programmation, la mettre en place, avoir une gestion d'équipe, travailler avec des animateurs. Et puis organiser les vacances et les mercredis de loisirs des enfants. Donc, l'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de l'année scolaire ainsi que les vacances scolaires petites et été. Nous organisons des journées de loisirs et aussi des camps. Au niveau projet, nous souhaitons organiser des loisirs en lien avec l'Anjou, découverte du patrimoine de l'Anjou, nature forcément, en étant au bord de la rivière, et puis le sport qui est la base d'Anjou Sport Nature. De ma carrière, j'ai pu avoir différents postes de responsable et le fait de devenir coordinatrice ici à Anjou Sport Nature, ça a un énorme atout, c'est de pouvoir travailler avec de vrais professionnels. L'ensemble des éducateurs sportifs de la base sont diplômés d'État. Il y a un vrai professionnalisme et on a le même discours, on sait de quoi on parle et apporter du loisir aux enfants dans ce cadre professionnel est une grande richesse pour les membres de l'équipe mais aussi pour le territoire.